Bonsoir et merci beaucoup à toutes et à tous venus si nombreux. Parce que maintenant, c'est moi qui ai toute cette charge sur les épaules. Alors normalement, à Bordeaux-Montagne, quand on est aussi nombreux, c'est qu'on fait une AG et qu'on va voter à grève. Donc ça, je sais faire. Parce que je suis aussi militant syndical et militant politique. Donc à finir mon CV, on peut aussi rajouter ça. On ne va pas peut-être voter la grève tout de suite. On verra peut-être à 19h s'il nous reste un peu d'énergie pour pouvoir le faire. Je remercie évidemment cette présentation qui est beaucoup trop louangeuse, mais enfin, en tout cas, merci quand même. Donc, je ne suis pas un génie pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas de génie en démocratie, nous sommes tous des génies, parce que si nous ne sommes pas tous et toutes des génies, il n'y a pas de démocratie possible. Puisque ça voudrait dire que l'un ou l'une d'entre nous, ou un groupe d'entre nous, en saurait plus que les autres. Donc vous voyez, par définition, je ne peux pas être un génie, ou alors je dois tout de suite conclure que, en tout cas ici et maintenant, il n'y a pas de démocratie. Ce qui tout de suite vous amène à voir que la démocratie est partout ou nulle part, puisque dans ce dispositif même pédagogique, vous avez la négation absolue de la démocratie, puisque vous êtes passif, je suis actif. On vous a déjà expliqué à quel point je suis un mec brillant, génial et intelligent, donc vous êtes nécessairement dans une situation non seulement de passivité, mais en plus d'admiration béate. Et moi, je n'ai quasiment plus qu'à dire quelques mots plus ou moins intelligents pour que vous ayez l'impression d'en avoir pour votre argent et de dire ben vraiment ce mec il est fort. Hein. Voilà. Mais c'est pas parce que je suis fort, c'est parce que le dispositif lui-même nous apprend à admirer, à être passif et à recevoir passivement les idées qui nous sont soi-disant transmises. Et vous voyez que si on était en démocratie, nous ne devrions même plus parler de transmission du savoir, mais de partage, puisque le savoir se partage et ne se transmet pas. En effet, quand je dis quelque chose ici, je ne vous donne pas quelque chose puisque je le garde. Donc je ne fais que le partager, et pour que le partage soit réel et efficace, naturellement, il faudrait que vous puissiez participer au banquet du savoir et ne pas être là à attendre mes réflexions supposément intelligentes sur le sujet. Alors, comme on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, hein, en amphi à Bordeaux à 150, 200, on débat dans l'amphi, donc je sais faire ça, mais ici, c'est pas, on n'a pas ni le temps, et puis voilà, il faut aller quand même un petit peu vite, mais on va quand même commencer par vous demander un petit effort de participation, puisque le sujet est donc « Vivons-nous en démocratie, réflexion sur le meilleur régime politique ?» Eh bien, on va commencer, je me suis demandé comment commencer, eh bien, on va commencer par un vote, puisqu'on est en démocratie. Donc, je vous pose la question, et on verra, peut-être à 19h, vous y réfléchirez. Vous allez voter comme des citoyens et des citoyennes que vous êtes, ou bientôt, pour celles et ceux qui ne le sont pas encore. Donc, sommes-nous en démocratie? Alors, qui c'est qui pense que nous sommes en démocratie? Vous avez une appréciation, je ne vais pas compter. C'est bon, tout le monde s'est décidé? Bien. Ok, alors maintenant on baisse. Qui c'est qui pense que nous ne sommes pas en démocratie? Bien. Merci. Alors, maintenant que nous avons fait ce petit exercice démocratique, je vais commencer à vous montrer les pièges dans lesquels vous venez de rentrer. Le premier piège dans lequel vous venez de rentrer, c'est que vous avez considéré que la définition de la démocratie allait de soi, puisque personne n'a levé la main pour me dire « Attendez, monsieur, avant de savoir si nous sommes en démocratie, peut-être faudrait-il savoir de quoi nous parlons. Est-ce que nous mettons tous et toutes la même chose derrière le mot « démocratie » ou non ?» Vous voyez, en quelques secondes, je vous ai fait subir ce que les sondeurs nous font subir tous les jours. Ils nous imposent un questionnement en nous imposant des définitions sur lesquelles nous n'avons jamais la main. Ah, il nous dit c'est important aujourd'hui de dire quelque chose sur la démocratie ou c'est important aujourd'hui de dire quelque chose sur le Mali. Et donc vous êtes sommé d'avoir un avis sans souvent avoir eu tout simplement le temps de vous y intéresser et sans même avoir eu le temps de dire ben, finalement après réflexion ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon sujet, j'ai d'autres préoccupations en ce moment. Donc vous voyez que la question démocratique elle est partout et elle commence tout de suite, y compris dans le type de questionnement et le type de définition. Donc le premier problème qu'on rencontre lorsqu'on veut parler de démocratie, c'est un problème de définition. Alors bien sûr, je vous épargne Demos Kratos, etc., parce que tout ça c'est bien joli, mais une fois qu'on a dit Demos Kratos, eh ben, on n'est pas mieux avancé que quand on ne sait pas que démocratie, ça vient de Demos Kratos, puisque le pouvoir au peuple, qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait strictement rien. Alors je me suis demandé si dans 50 ans, on a 100 ans, ce ne sera pas moi, mais je devais étudier notre période, et si je voulais chercher ce que, en gros, on pensait de la démocratie, ce que c'était que la démocratie, où c'est que j'irais chercher cette définition partagée? Et l'idée m'est venue que, sans doute, le meilleur endroit pour chercher une définition plus ou moins consensuelle, on va y revenir, de la démocratie, eh ben, pour la chercher, le mieux, c'est de la trouver dans les programmes scolaires, c'est-à-dire précisément dans votre programme. Et si on
se promène comme ça, si on jette un regard superficiel sur les trois œuvres qui sont à votre programme, enfin, quatre, donc les deux pièces de théâtre d'Aristophane, Les Cavaliers et l'Assemblée des Femmes, donc une toute petite partie de Tocqueville, et puis le roman de Philippe Roth, donc Complot en Amérique, vous avez là résumé en précipité ce que nous considérons, je vais dire qui est ce nous considérons être la démocratie. Mais comme vous êtes, en dépit de votre grand âge déjà, vous êtes des citoyens, mais vous êtes aussi des élèves, donc vous apprenez quelque chose, on peut considérer ces programmes non pas tant comme un état stabilisé, définitif de la définition de la démocratie, mais plutôt ce que on a envie que vous pensiez de la démocratie, ce qu'on a envie que vous vous disiez sur la démocratie plus tard, parce que vous le verrez, si vous ne le savez pas déjà, les années de formation sont très importantes, et souvent, ce qu'on a appris, bon, on l'a appris pour longtemps, et on le rediffuse après soi-même, en disant, mais je l'ai appris à l'école, ou je l'ai appris en classe prépa, c'était mon sujet, donc la démocratie, je sais ce que c'est. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est si on regarde? J'ai essayé de regarder les différentes œuvres en demandant, mais quels sont les pervers qui ont eu l'idée de mélanger Aristophane, Tocqueville et Philippe Roth? Moi, je suis historien, donc, tu sais, quand on met tout ça ensemble, je me dis, tiens, c'est bizarre, voilà. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ben, dans la tête, ils ont une définition de la démocratie. Alors laquelle? Prenons, on va commencer par le plus contemporain, Philippe Roth. Donc Complot, c'est deux ou en Amérique, je ne sais plus. Contre. Contre, voilà, Complot contre l'Amérique. Quel écho ça peut avoir? Qu'est-ce que c'est censé, non pas nous dire, mais vous dire à vous sur la démocratie? Ben, c'est censé montrer, mettre en avant un certain nombre de périls bien connu, développé à l'envi dans tous les systèmes médiatiques, le risque du démagogue, le racisme qui est à nos portes, l'extrémisme qui nous menace, etc. Voilà. Donc, la première idée, vous voyez, qui ressort de cette œuvre, qui est choisie, c'est que la démocratie est un régime instable et qui peut toujours produire une forme de catastrophe. Et cette catastrophe, elle n'est pas produite de l'extérieur, mais elle est produite par le régime démocratique lui-même. En effet, on ne décrit pas un coup d'État ou quelqu'un, mais une élection. C'est donc le peuple lui-même qui est à la fois la fin, la finalité du système, mais aussi potentiellement l'élément perturbateur. C'est intéressant, oui, on est parti de la définition Demos Kratos, etc., mais nous voilà avec l'idée que ce pouvoir du peuple, ça peut à la fois être positif ou être négatif, et que donc ce pouvoir du peuple est un problème. Oui, c'est paradoxal. Nous voilà maintenant avec une première idée, c'est qu'en démocratie, ce qui est problématique, c'est le pouvoir du peuple. Alors, je vais vite, mais je vous le dis, c'est déjà une forme d'avancée intellectuelle que d'arriver là, puisque aujourd'hui, la définition qui nous est plus ou moins imposée de la démocratie, c'est l'extension illimitée des droits individuels. C'est-à-dire l'idée que la démocratie se mesure à l'aune des droits individuels qui sont reconnus. Liberté d'opiner, d'avoir une opinion, liberté de conscience, liberté de la presse, etc., etc. Donc la notion de pouvoir, vous voyez, relativement évacuée au profit de droits individuels. C'est-à-dire que la démocratie n'est pas tant le pouvoir du peuple qu'un peuple composé d'individus qui sont de plus en plus dotés de droits. Et on fait l'histoire de ça, avec l'extension de la citoyenneté, hein, comme étant le chemin emprunté par la démocratie pour s'étendre et se réaliser. Voilà pour la première Tocqueville maintenant. Bon, Tocqueville, je connaissais déjà un peu, donc je sais que c'est un conservateur, enfin, entre conservateur et réactionnaire libéral, donc que les gens qui font les programmes vous ressortent parce qu'ils ont besoin d'avoir un penseur libéral qui leur permet de justifier ce qu'ils pensent. Vous pourrez donner de la bibliographie, mais peu importe. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit. Voilà, donc en venant en train, je me suis dit, ben, je vais lire, je vais faire comme vous. Je vais lire en me disant, de toute façon, on s'en fout, on n'a pas besoin de comprendre Tocqueville, on a besoin de comprendre pourquoi des gens vont peut-être m'interroger sur Tocqueville ou me mettre une citation de Tocqueville. Alors j'ai regardé et j'ai essayé de voir le modèle qui se dégageait. Alors l'idée générale, vous la connaissez tous et toutes, c'est que la démocratie, pour Tocqueville, n'est pas tant un régime politique, un régime donc qui se traduirait par une constitution, par un vote, etc. C'est un régime social, c'est une manière d'être ensemble marquée par une situation de départ que Tocqueville appelle, dès l'introduction, à l'égalité des conditions. Ce n'est donc plus un problème de pouvoir, là encore, vous voyez, mais un problème de conditions de départ. C'est-à-dire, pour le traduire, pour que vous compreniez ce que ça veut dire, l'égalité des conditions, c'est-à-dire, on est dans un nouveau type de société pour Tocqueville, la Révolution française est passée par là, il n'y a plus d'aristocratie de naissance, donc on pense, ou il affirme, qu'on est dans un monde où l'égalité règne. Alors déjà, c'est marrant quand on lit ça, parce qu'on se dit, mais alors, les femmes votent pas, il y a encore l'esclavage des Noirs, bon, on s'en fout, ça, c'est les détails, hein, mais globalement, quand lui, il peut affirmer, non, mais on doit aussi lire de manière critique, donc quand lui nous énonce l'égalité, vous voyez qu'il y a toute une série d'inégalités qu'il ne voit pas, bon, ça c'est énorme, mais surtout qu'il ne le dérange pas, puisque pas une seule fois dans son livre, il se dit, bon, l'égalité, il y a encore
quelques petites améliorations à apporter. Vous voyez, ça ne le dérange pas. Pour lui, il a l'impression de vivre l'égalité alors qu'il vit dans un monde donc, où cette égalité est extraordinairement restreinte. Ouais, je vous rappelle qu'il y a des problèmes encore au moment où il écrit pour le droit de le suffrage, y compris des hommes. Hein. Ce n'est pas que l'exclusion des femmes, mais même chez les hommes, il n'y a pas un suffrage universel dit masculin. C'est curieux que les hommes aient inventé ce truc pour les suffrages universels masculins. Bon, il n'y a pas un suffrage masculin, même pas hein, absolu. Donc vous voyez que être capable de voir de l'égalité là-dedans, c'est assez impressionnant en réalité. Ce qui vous montre les œillères de Tocqueville, des œillères d'aristocrates, un peu déchu, hein, puisque le monde a changé, est obligé de s'adapter, mais c'est ça que vous avez. Alors, quand on le lit, qu'est-ce qu'on y voit? Bon, on y voit à peu près, bon an, mal an, une forme de déclinaison de Philippe Roth. Alors, avec un peu plus de complexité quand même, puisque le propos n'est pas le même. Par quoi il commence, Tocqueville, dans le passage qui vous intéresse, c'est l'idée que, au fond, cette égalité, la situation créée par l'égalité serait naturelle, et qu'il y aurait, au fond, deux piliers à ces sociétés égalitaires modernes. Le pilier, donc, égalité des conditions, hein, l'égalité entre les individus, avec ce que je viens d'en dire, et le deuxième pilier, qui est un pouvoir central. Et Tocqueville explique que c'est l'égalité des conditions qui produit un pouvoir central, et qu'il y a une tendance permanente à une concentration du pouvoir. Ça, c'est son idée générale. Donc, il y a bien une dynamique. Cette dynamique, elle est reliée à l'idée d'égalité entre les individus, et cette dynamique, elle va vers la concentration du pouvoir. Donc, il énonce, lui aussi, une forme de risque lié à la démocratie, qui est une forme de despotisme démocratique qui conduirait à la remise en cause des libertés individuelles. Donc, vous commencez à voir arriver la grande idée des libéraux, qui existe toujours, qu'il y aurait un affrontement entre l'égalité et la liberté. Vous remarquerez qu'ils s'en foutent absolument de la fraternité, on n'en parle jamais. Hein. Donc, c'est juste liberté et égalité, puisque tout est renvoyé aux individus. La fraternité, c'est ce qui nous dit que nous sommes un collectif, que nous devons tenir compte des autres. Mais s'il y a juste un combat entre liberté et égalité, alors dans ces cas-là, ça veut dire qu'on peut raisonner à l'échelle de l'individu. Et donc Tocqueville met en place cette idée d'un affrontement entre donc, l'égalité et la liberté. Autrement dit, nous payerions en moins de liberté l'égalité que nous aurions obtenue. C'est ça l'idée qu'il défend. C'est soit l'un, soit l'autre. Et les sociétés modernes, contemporaines, sont condamnées à l'égalité, dit Tocqueville, donc il n'y a pas d'autre manière de faire que d'en rester à moins de liberté. Alors, et ensuite, vous avez une description. Alors, si vous utilisez l'édition Garnier Flammarion, je vais vous donner les pages, comme ça vous pourrez aller voir pour ceux que ça intéresse, et moi, ça m'économise les citations. Donc, alors, sur l'idée que l'égalité mène au despotisme, c'est le chapitre 4, chez vous, donc page 368. Alors, après, il y a une que j'ai adorée, parce que là, on pourrait entendre du contemporain, donc je vous la cite, c'est page 370-371. Presque tous les établissements charitables de l'ancienne Europe étaient dans les mains de particuliers ou de corporations. Donc, dit-il avant, la charité, donc l'entraide, si vous voulez, était du domaine du privé, traduit. Ils sont tous tombés plus ou moins sous la dépendance du souverain, et dans plusieurs États, ils sont régis par lui. C'est l'État qui a entrepris, presque seul, de donner du pain à ceux qui ont faim, des secours et un asile aux malades, du travail aux oisifs. Il s'est fait le réparateur presque unique de toutes les misères. Donc vous voyez que dans ce que nous appellerions nous un état social, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une entraide et que cette entraide elle est organisée par l'État, parce qu'il appelle le souverain, ben pour lui, si vous le lisez bien, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que, je vais utiliser les mots d'aujourd'hui, ça déresponsabilise les individus, puisque ça s'occupe d'eux et c'est une forme de restriction de la liberté. Puisqu'il est bien connu que quand vous êtes malade, vous voulez conserver votre liberté d'être malade et que vous ne voulez pas disposer nécessairement de la liberté d'être guéri. Non, mais je traduis, hein, parce que c'est ce que ça veut dire. Quand on est malade, qu'on soit soigné, on ne trouve pas ça incroyable. Mais c'est pourtant, lui, il trouve ça incroyable. Donc, je commence à voir ce qu'ils veulent vous faire dire et comprendre, c'est que il y aurait peut-être dans la démocratie un risque, c'est trop d'États, trop de collectifs, trop de règlements, trop de règles qui, au fond, encadrent nos vies individuelles et donc nuisent à nos plaisirs privés. Bon, après, vous avez des choses plus classiques, où il dénonce évidemment toutes sortes de révolutions, hein, c'est sa grande peur, hein, la révolution, c'est normal, il l'a vécu, il a perdu, enfin, c'est un jeune aristocrate plutôt plein d'avenir, puis tout d'un coup, révolution française passe devant, il n'a plus rien, donc ça ne le fait pas marrer, la révolution. Hein. Et donc il va passer toute sa vie à essayer de récupérer une position sociale auprès des souverains qu'il va conseiller précisément pour cette raison. Donc peur de la révolution, crainte de la révolution, en ce sens-là c'est vraiment un homme de son temps, pas un grand penseur, c'est d'abord un homme de son temps. Et puis autre idée qu'on trouve, c'est une forme de médiocrité associée à l'égalité. C'est-à-dire que le danger qu'il voit dans l'égalité, c'est qu'au fond on ne permettrait plus
à une société de distinguer en son sein des meilleurs, des gens qui seraient meilleurs que les autres. C'est pour ça, raison pour laquelle j'ai commencé, il n'y a pas de génie en démocratie, pour m'opposer frontalement à ce que sous-entend Tocqueville, hein, l'idée qu'il y a, alors il laisse ça de côté en tout cas là, par nature, certains ou certaines d'entre nous qui seraient meilleurs, mieux disposés à faire telle ou telle chose. Voilà, et que la démocratie aurait la tendance à niveler, comme on dit, si on prend le vocabulaire d'aujourd'hui, niveler par le bas les valeurs. Bon, je traduis, mais vous êtes des bons élèves, mais c'est, enfin, vous inquiétez pas, par rapport aux prédécesseurs, vous êtes nuls et ainsi de suite, c'est la baisse du niveau. Je traduis pour que tout le monde comprenne. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, à cause de l'égalité, s'il y a trop de gens qui ont les diplômes, le niveau baisse, c'est bien connu, donc c'est exactement la même idée que vous trouvez chez Tocqueville. C'est une idée de conservateur assez traditionnel qui fait que plus on vieillit, plus on a l'impression que les jeunes qui sont après nous, qui sont simplement différents et pas moins bons que nous, mais différents, bon, on interprète cette différence comme étant un problème hiérarchique et que vous en savez moins que nous. Ben, c'est mécanique, vous verrez, je résiste pour l'instant, à 48 ans j'arrive encore à tenir, mais c'est de plus en plus dur. Je pense que d'ici 5-6 ans, vous serez tous une bande de crétins, et moi, un type vachement intelligent et cultivé. Pour l'instant, ça va, je tiens encore. Donc vous voyez que chez Tocqueville, ce qui est retenu, c'est pas n'importe quoi, ce sont des idées, vous voyez, qui constituent ce qu'on peut appeler le sens commun autour de la démocratie. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on entend plus ou moins tous les jours, ce qu'on pense, que le peuple, c'est dangereux, que c'est dangereux de confier du pouvoir à des gens qui n'ont pas une bonne éducation, etc., etc. Et vous avez là, petit à petit, le dessin le dessin IN de la démocratie, mais aussi le dessin EIN pour celles et ceux qui vous ont fabriqué et concocté ces programmes, qui est de vous faire avaler l'idée que la démocratie, c'est ça. Et que donc, il y a un péril, et que la démocratie est donc un régime, comme l'a dit Churchill, c'est pour ça que j'avais dit réflexion sur le meilleur régime, hein, le meilleur régime à l'exception de tous les autres, sauf que cette citation que tout le monde connaît, on oublie toujours de la contextualiser. C'est-à-dire à quel moment Churchill dit ça, quand il a pris une rouste électorale en 1945. Il le dit avec une pointe d'humour, en disant « J'adore la démocratie quand je suis élu, bon, quand j'ai perdu, c'est moins drôle. » Et on a transformé ça en une forme de philosophie extraordinairement élaborée de la démocratie, alors qu'en fait, c'est juste « Voilà, un homme mécontent d'avoir perdu les élections, ce qui, somme toute, est assez banal. Hein. » Ce meilleur régime, c'est celui-là, et vous comprenez pourquoi on peut dire qu'il y a un problème, mais bon, on n'a pas trouvé mieux, c'est en raison du peuple. Donc nous commençons à voir que le problème de la démocratie paradoxale, c'est le peuple. J'en arrive maintenant à Aristophane, même chose. C'est exactement les mêmes raisons qui sont, que l'on peut évoquer pour se demander pourquoi ils ont choisi cela. Les cavaliers, parce que c'est une pièce qui pose le problème de ce que nous appelons aujourd'hui les démagogues, la démagogie, hein, la séduction du peuple. Hein, donc le peuple qui se laisserait séduire par des beaux parleurs, pour faire vite, donc ce qu'on appelle les démagogues, en plus démagogue c'est un terme grec, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis l'Assemblée des femmes, là aussi, hein, c'est une sorte de... Alors, j'imagine qu'il y a à la fois le côté l'Assemblée des raisonnables qui est capable de faire n'importe quoi, etc. On va voir quel est le programme politique qui est mis en œuvre, mais aussi peut-être une manière quand même d'attirer votre attention sur la question des femmes et sur donc le problème que la présence des femmes ou leur absence a pu poser à l'idée de démocratie. On s'arrête aux femmes, parce que je vous rappelle que les femmes donc, votent depuis 1944, mais que tout, dans nos raisonnements, on dit « Ah ben là, vraiment, c'est la démocratie, mais tout le monde se fout des deux départements d'Algérie pour lesquels le système de vote est différent. Pourtant, ce sont deux départements français et que le statut de 1947 est un statut particulier d'exception qui organise un apartheid électoral. Donc tout le monde se fout, parce que ça, c'est pas notre définition de la démocratie. » Je vous le dis pour que vous compreniez à quel point il y a plein de points aveugles quand on discute de démocratie, que nous ne regardons pas ce que nous n'avons pas envie de voir. Et en particulier, en l'occurrence, le colonialisme, on préfère faire comme si on était déjà la France métropolitaine et ne pas se préoccuper de ce que la même France démocratique pouvait faire à d'autres territoires qui étaient sous son autorité. Donc gardons-les quand même à l'esprit, puisque peut-être que dans 50 ans, quelqu'un aura l'idée de rajouter quelque chose à ce sujet pour complexifier notre analyse, notre interprétation de la démocratie. Et je n'ai pris que l'Algérie, puisque ce sont deux départements français, dans lesquels vous avez deux corps électoraux, comme vous le savez peut-être. Donc il y a les musulmans qui votent d'un côté, et les autres qui votent de l'autre côté. Avec moins de députés pour les musulmans alors qu'ils sont 10 fois plus nombreux, et plus de députés pour les autres. Voilà, ça vous avez la description du système. Et ça, c'est la démocratie française triomphante. Voilà. Donc, voilà ce qui est dessiné. Voilà donc ce que serait la démocratie. Finalement, un régime qui nous dirait à la fois que c'est le pouvoir au peuple, mais qui dirait aussi dans le même temps que rien n'est plus dangereux que le pouvoir au peuple. Si je pousse et si je tire, la question pourrait être donc la suivante, hein. Comment faire pour qu'en démocratie, le peuple ne gouverne jamais? Jamais. Alors, on va essayer
de voir comment on a réussi à faire ça. Ben, le premier coup de force, je regarde l'heure pour abuser, le premier coup de force, c'est bien sûr celui qui consiste à avoir inventé une autre démocratie que la démocratie qu'on appelait à l'époque radicale ou absolue, celle des Athéniens, la démocratie dite représentative. Alors d'un mot, je vous renvoie au livre merveilleux de Bernard Manin, M-A-N-I-N, qui a écrit, donc c'est un livre qui s'appelle Le gouvernement représentatif, 2010, Jean Flammarion. Et dans ce livre, Bernard Manin, qui est historien des idées, enfin philosophe politique, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben il rappelle une chose toute simple, c'est que les gens, on les connaît, hein, ils ont des noms, des adresses, comme dirait François Hollande, on sait où ils sont, on peut les trouver. Eh bien, ces gens qui ont une adresse, quand ils inventent le gouvernement représentatif, ils n'inventent pas une forme alternative de démocratie, ils inventent un système politique alternatif à la démocratie. C'est ça que montre Bernard Manin. Montesquieu, avant lui Machiavel, invente donc l'idée d'un gouvernement représentatif, il ne parle pas du tout de démocratie, hein, d'un gouvernement représentatif pour lutter contre la démocratie. Et contre quoi en particulier de la démocratie? Le tirage au sort. Et donc, ceux qui inventent le gouvernement représentatif, ils associent donc la démocratie au tirage au sort, qui existe, hein, il n'y a pas qu'Athènes, ça continue à exister bien longtemps après, des siècles et des siècles après. Et ce gouvernement représentatif, pour l'opposer à la démocratie, ils vont l'adosser à l'élection. Et l'élection va devenir l'élément significatif, déterminant de ce que nous appelons la démocratie représentative. Alors quand le gouvernement représentatif est-il devenu une démocratie représentative? Après le déclenchement de la Révolution française. C'est à la Révolution française que cette question va se reposer de nouveau, mais cette fois-ci sous l'angle démocratique, puisque un certain nombre de gens ont considéré que c'était le peuple qui était devenu acteur de son histoire en renversant la monarchie absolue, et que donc ce peuple devait gouverner. Il ne fallait pas qu'il perde le pouvoir. Mais ils savent très bien qu'étant des millions, Paris-Province, ce n'est pas possible de s'organiser, donc ils vont essayer d'inventer un système qui permet au peuple de ne pas gouverner directement tous les jours, toutes les semaines, etc., mais que ce peuple puisse toujours conserver le pouvoir. Je vous donne juste quelques exemples pour que vous compreniez comment, dans l'esprit de ces pères fondateurs de la démocratie représentative, il était possible de concilier représentation et démocratie. Puisque leur grande peur, c'était que la représentation soit la première étape de la délégation de pouvoir. Je donne un pouvoir à un représentant, puis il ne me le rend jamais. Il le garde pour lui, il fait ce qu'il a envie de faire, voilà. Problème qu'on connaît en général après les élections. C'est trop tard, vous avez voté pour moi, attendez dans 5 ans. Comme si on était condamné à attendre 5 ans, c'est pas une sorte que vous l'avez entendu, vous l'entendez encore. Vous allez même l'entendre normalement assez vite et assez souvent là, pendant les jours qui arrivent. C'est mon programme, j'ai voté, c'est comme ça, etc. Bon. Donc eux, ils avaient peur de cette situation, parce qu'ils disaient, il n'y a pas de raison si on a le pouvoir, nous, en tant que peuple. Donc ils essayent d'inventer une série de systèmes. Par exemple, la révocabilité des élus. Le fait que le peuple, je rentre pas dans l'état institutionnel, le peuple puisse à certains moments, à travers des mécanismes électoraux et plusieurs niveaux d'assemblée, dire, un tel, on en a marre, il ne fait pas ce qu'il avait dit qu'il allait faire, ça ne nous va pas, ce qu'il fait, donc on peut le révoquer. Voilà un exemple de pouvoir au peuple toujours garanti. Deuxième dernier exemple, c'est le pouvoir constituant. Ce que disent les révolutionnaires, c'est qu'il y a une chose qui ne doit jamais partir dans les mains d'autres mains que celles du peuple, c'est le pouvoir de faire une constitution. C'est-à-dire que quand les citoyens sont tellement mécontents de comment ça marche, ils doivent pouvoir le dire et ça se manifeste par la demande de la récupération du pouvoir, c'est-à-dire on va refaire ensemble les règles du jeu. Parce que là, ça va vraiment mal, il y en a marre, rien ne va bien, etc. C'était ça, pour eux, c'est ça la démocratie. C'est le fait de laisser au peuple, de garantir au peuple la capacité à toujours, en dernier ressort, pouvoir être à l'origine de la règle du jeu politique. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Je vous laisse mesurer l'écart entre ce que voulaient les révolutionnaires et la situation d'aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer que quand ils ont réfléchi à la démocratie représentative, ils n'ont pas oublié la dimension représentative, mais ils n'ont pas oublié non plus la dimension démocratique. Alors, dès l'origine, la représentation et le système représentatif posent le problème de « mais qu'est-ce qu'on représente ? Qu'est-ce qui est représenté dans la démocratie représentative ?» Alors, pour voir le débat, il faut regarder 1787, au moment où on établit la Constitution aux États-Unis d'Amérique. Vous avez deux grands courants, les fédéralistes et les antifédéralistes. Ce sont les fédéralistes qui gagnent. Et ils débattent de la représentation, puisque, comme vous le savez, aux États-Unis, il y a une Chambre des représentants. Ils disent, d'accord, on va faire des représentants, mais qu'est-ce qu'ils représentent? Alors il y a une première possibilité, qui est portée par les antifédéralistes qui vont perdre. Ils disent, on va regarder la société américaine, on va regarder combien de pourcentage de médecins, combien de pourcentage d'ouvriers, combien, etc. Et on va dire que dans l'Assemblée des représentants, on doit retrouver le même pourcentage.
Comme ça, l'Assemblée sera en petit, disent-ils, la même chose que la société tout entière. C'est leur première idée. Eux, ils perdent, et à la place, il y a les autres qui gagnent. Ils disent, non, on ne va pas s'embêter avec ça, c'est trop compliqué. On va voter, comme ça, et puis ben, c'est l'élection qui fera le représentant. C'est-à-dire, finalement, le représentant, en philosophie politique, n'a pas d'autre critère distinctif que celui d'être élu. Et c'est l'élection qui en fait le représentant. Il ne représente rien d'autre, en fait, que ça. Mais qu'est-ce qu'ils rajoutent? Ils disent, puis c'est chouette ce système électif, parce que ce que ça va permettre, ben, c'est d'élire les meilleurs. Pourquoi? Parce que ça va élire les plus connus, les plus riches, ceux qui ont le temps de faire campagne, ceux qui ont le temps de se balader, de connaître les autres, etc. Donc, par l'élection, on va obtenir ce qu'on voulait par ailleurs, à savoir que ce sont les mieux nés, les plus riches, qui vont pouvoir représenter, c'est-à-dire, parce qu'ils vont jusque-là, faire la politique qu'ils pensent être la bonne pour le pays. Sous-entendu, ça va nous permettre d'éviter le pouvoir du peuple. Donc vous voyez que, au fondement même des États-Unis d'Amérique, vous avez cette idée, reprise, que le peuple est dangereux, et puis il faut inventer un système qui permet, finalement, cette chose paradoxale, de lui confier le pouvoir, et au moment où le peuple exprime son pouvoir, il vote. Il s'en dépouille, il l'abandonne. Puisque le seul moment où il a le pouvoir, c'est quand il vote. Voilà, tac, et après c'est fini. Vous n'en avez plus. Vous ne pouvez plus peser, etc. Donc, vous voyez que quand on regarde ce qu'est la démocratie représentative, on a quelques difficultés, a priori, à lui accorder, comme ça, sans réfléchir plus longuement, le label démocratique. Et vous comprenez que c'est donc un enjeu politique extrêmement fort. Alors moi, ça m'intéresse parce que pendant très longtemps, moi, j'étais persuadé, puisque je l'avais appris à l'école, qu'il y avait deux démocraties, la démocratie représentative et la démocratie directe. Bon, je viens de comprendre, et je viens de le partager avec vous, que finalement, eh ben, il n'y a pas de démocratie directe tant qu'on n'a pas inventé la démocratie représentative, que le caractère démocratique de la démocratie représentative n'est pas très clair, et que ça motive, à minima, de revenir vers l'Antiquité pour dire « mais eux, comment ça marche ?» Alors, j'en arrive donc à ces deux pièces, et on va rester juste à la fonction de ces pièces et comprendre ce qu'elles disent vraiment, et non pas ce que les programmes voudraient qu'elles disent. Donc, pas d'accusations démagogues, etc., etc. Alors, je commence par les cavaliers. Alors déjà, quand on fait de l'histoire, notre première difficulté, je vous épargne les dates, les machins, tout ça, vous les trouverez dans les bouquins, donc vous n'avez pas besoin de moi pour que je vous le dise. Donc, quand on a les passes ça, un document de cette nature, une comédie, le premier travail que nous devons faire, c'est apprendre à prendre au sérieux une comédie. Ce qui est très difficile, puisque, a priori, on dit, bah non, c'est de la blague, les Athéniens étaient là, et si je tire le fil, on pourrait trouver un mépris du peuple assez ordinaire, c'est que les Athéniens, ils sont là pour se marrer, ça ne les intéresse pas plus que ça, c'est un bon moment, ils passent un bon moment à rigoler, à se moquer de leurs dirigeants. C'est le modèle dit du carnaval, hein, c'est-à-dire on s'autorise une petite journée de fête, de remise en cause des pouvoirs, et 100 jours du bac. C'est le seul jour où on peut balancer des trucs sur les profs, etc. Mais le lendemain, on redevient un bon élève ou une bonne élève. Et finalement, cette cérémonie n'a pas contesté le pouvoir des profs, mais au contraire l'a reconfirmé. Hein, c'est la question du carnaval. C'est exactement ce genre de choses. Il y en a plein comme ça. Donc, soit c'est un carnaval, ou soit c'est autre chose. Moi, je pense que c'est autre chose, et je pense que c'est dans le texte. Si on prend donc la pièce, les cavaliers, de quoi s'agit-il? Vous connaissez l'histoire. Il y a donc derrière, hein, ça c'est le contexte historique, derrière le personnage dit, qui s'appelle le Paphlagonien, vous avez un personnage historique qui s'appelle Cléon, qui est un homme politique extrêmement important à Athènes, et que nous pourrions avoir la tentation de regarder ou de comprendre comme si c'était l'équivalent d'un dirigeant politique d'aujourd'hui. Vous voyez, dans une lecture, c'est pas anachronique parce que ça veut rien dire, mais dans une lecture totalement, comment dirais-je, abstraite, on pourrait se dire, ben finalement, c'est la même chose, ils ont des dirigeants eux aussi, etc., etc. Donc il faut que nous fassions déjà l'effort de nous rappeler, toujours, toujours, qu'à Athènes, c'est l'Assemblée qui vote tout. Tout. Pas d'expédition de guerre au Mali, etc., pendant des mois, des années, sans aucun vote à l'Assemblée. Non, ça c'est nous, ça. Nous, mais nous, on est une démocratie représentative. Mais les Athéniens, eux, ils votent ça, et quand ils votent, en plus, ils votent pas simplement la guerre. Ils votent leur propre départ à la guerre. Puisque c'est eux qui vont faire la guerre, puisque c'est eux les soldats et qu'il n'y a pas d'armée de métier. Donc vous voyez que le geste de la démocratie athénienne, il impose tout de suite de distinguer l'intérêt privé de l'intérêt général. Puisque je suis obligé, en tant que citoyen, mon intérêt privé, c'est de rester en vie. Voilà, je préfère rentrer chez moi, pas partir loin plusieurs mois et risquer ma vie. Et pourtant, je peux à l'Assemblée dire, bah non, l'intérêt de la cité, même si moi je vais mourir, c'est de faire la guerre. Vous voyez, donc les Athéniens, en raison même de leur régime politique, sont obligés de distinguer intérêt général et intérêt particulier.
De ce point de vue, il faut prendre ce régime politique au sérieux et ne pas imaginer que finalement, c'est comme pour nous, il y a une masse indistincte qui serait le démos, menée par le bout du nez par quelques dirigeants. Donc ça, c'est une lecture qu'on pourrait faire des cavaliers, mais ce n'est pas du tout ce qui est dit. Alors qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui est expliqué dans les cavaliers? Ce qui est expliqué dans les cavaliers, c'est d'abord, enfin, ce qui est expliqué, ce qui est mis en scène, plus exactement, ce qui est mis en scène dans les cavaliers, c'est une extraordinaire réflexion de philosophie politique. C'est-à-dire que les Athéniens, ils ont inventé le théâtre, ce théâtre-là, au 5e siècle avant Jésus-Christ, pour faire de la formation continue du citoyen. Ils n'ont pas de médias, pas de radio, pas d'internet, etc. Et pourtant, ils ont un système politique qui suppose des citoyens, je vous ai expliqué pourquoi, qui réfléchissent, qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que la guerre c'est bien? Est-ce que je dois partir? Quel est le lien entre ma propre responsabilité et la responsabilité collective? Tout ça, ce sont des réflexions qu'ils ont besoin de mener. Le système scolaire existe, mais il est assez embryonnaire. Donc ils ont besoin d'une forme de formation continue du citoyen. C'est le théâtre qui joue ce rôle. C'est-à-dire que les citoyens, que ce soit les tragédies ou des comédies, ils vont au théâtre, certes pour rigoler, parce que ça fait partie du genre comique, mais aussi pour réfléchir politiquement, pour se poser des questions politiques, pour se demander si ce qu'ils font, c'est bien. Et donc quand Aristophane décrit un personnage qui se moque du démos, du peuple, il ne faut pas imaginer qu'il cherche à se moquer du démos. Pourquoi? Parce qu'Aristophane, c'est un poète qui veut gagner un prix. Et à la fin du concours, on désigne le meilleur auteur, le meilleur acteur, tout ça. Et comment on désigne ça? Les juges, ils sont tirés au sort au moment où les pièces vont commencer. C'est-à-dire qu'on lui écrit la pièce, il doit écrire pour Monsieur Tout-le-Monde, si vous voulez. Puisqu'il n'a aucune assurance de savoir si ce n'est pas les professionnels, etc. Donc il s'adresse à tout le monde. Donc ce qu'on attend de lui, bien sûr, même quand il se moque du démon, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui en sciences sociales de la réflexivité. C'est-à-dire on se regarde un peu de l'extérieur par le biais comique, et en rigolant un peu de soi, de ses travers ou de ses défauts, on réfléchit, on se demande si ce qu'on est en train de faire, c'est la bonne manière de faire. Et Les Cavaliers est une extraordinaire pièce de réflexion sur le pouvoir. Est-ce que nous sommes condamnés en tant que démos à écouter des beaux discours et puis à choisir de beaux discours, qui est une des accusations traditionnelles, en général des adversaires de la démocratie au 5e siècle avant Jésus-Christ? Donc sommes-nous condamnés à arbitrer des discours tenus par des gens qui savent bien parler, ou au contraire, sommes-nous en capacité toujours de réfléchir? Si vous lisez la pièce, vous verrez que les deux interprétations sont à l'intérieur de la pièce, précisément parce qu'Aristophane ne choisit pas. Vous avez tout le volet critique du Paphlagonien, le marchand de saucisses, etc., avec une forme d'ironie et de moquerie permanente, avec des accusations d'ignorance. C'est un ignorant, il ne sait rien, il connaît à peine les lettres. Et donc vous avez le thème de l'ignorance, c'est un braillard, donc il crie très fort, etc. Mais si vous regardez, à la fin, qui c'est qui gagne? C'est le personnage démos, c'est la démocratie, c'est toujours lui qui décide. Et ce qu'il dit à la fin, c'est que de toute façon, il peut choisir à un moment donné de faire confiance à l'individu, mais il garde toujours le pouvoir de le renvoyer et d'en prendre un autre. Et que donc, ce qui est garanti, même dans une situation où on a la tentation de faire confiance à un individu, eh bien même là, on garde la possibilité de le dégager quand on en a envie. Et que donc, il n'y a pas, et c'est dans la pièce à la fin, si vous regardez, vous verrez, quand la démocratie parle, c'est ce que dit, Démos, il dit ça, il dit de toute façon, on prend et on jette après, quand on ne veut plus. Et que ce pouvoir-là est toujours garanti et toujours maintenu. Il n'y a donc, vous voyez, pas de peur ou de crainte. Autre élément qu'on voit dans la pièce des cavaliers, je prends les éléments les plus pointus, enfin disons ceux qu'a priori vous aurez moins de chances de trouver dans des livres, etc. La question des oracles. Très souvent, le Paphlagonien est dit utiliser des oracles pour pouvoir parler, et puis à un moment donné, même on lit un oracle, etc. Alors les historiens se sont demandé, mais est-ce que ça veut dire que Cléon, donc le vrai personnage historique derrière le Paphlagonien, lisait des oracles, etc. Non, certainement pas. C'est pas du tout ça qui est en question. Ce qui est en question, c'est le statut de la parole tenue, c'est-à-dire est-ce que c'est de la vérité? Et ce qui est mis en scène, c'est est-ce que Cléon, est-ce qu'on lui fait pas trop confiance, autrement dit, est-ce que quand on vote toujours en fonction de ce qu'il a dit, est-ce qu'on le traite pas comme un oracle? Donc on dit pas qu'il utilise un oracle. Alors vous pouvez dire, mais pourquoi vous dites ça, etc. Parce qu'on a un merveilleux exemple que vous connaissez tous et toutes, qui cette fois-ci dans une tragédie de Sophocle, qui s'appelle Œdipe roi. Si vous lisez la pièce Œdipe roi, vous verrez que ce que vous avez, c'est la faillite de quelqu'un qui croit en savoir plus que les autres. C'est exactement Œdipe. Œdipe, c'est celui, Œda en grec, je sais, Œdipe, il y a l'idée de savoir dans son nom.
eh bien, c'est celui qui sait. Et toute la pièce montre que c'est parce qu'il croyait savoir qu'il a tué son père et épousé sa mère, et que c'est ça qui est mis en scène. Et à la fin de la pièce, vous avez même des esclaves qui viennent apporter les dernières preuves que c'est bien lui qui a épousé sa mère et tué son père. C'est donc une réflexion extrêmement importante pour eux, et que c'est une idée de base de la démocratie. Personne ne peut prendre la parole en disant « c'est moi qui ai raison et personne d'autre ». J'ai pris Oedipe, j'aurais pu prendre Antigone, même chose. Créon pense qu'il a raison, Antigone pense qu'elle a raison, ils perdent tous les deux. C'est la même faillite qui est mise en scène. Vous voyez, ici vous avez la même chose. Ce n'est pas grave après tout de faire confiance à quelqu'un. Pourquoi pas? De toute façon, il y a bien quelqu'un qui fait une proposition à l'Assemblée. La seule question qui vaille, c'est quels sont les critères qui m'amènent à faire confiance à un individu? Est-ce que je ne fais pas trop confiance? Est-ce que je n'oublie pas de réfléchir? Est-ce que même quand c'est un tel que j'aime bien, etc., eh ben, est-ce que je ne dois pas toujours essayer de réfléchir? Donc vous voyez que c'est une pièce, après vous la reprendrez, mais vous verrez, c'est une pièce qui nous dit des choses extraordinairement profondes derrière le genre de la comédie, hein, et qui pose des problèmes redoutables, la nécessité ou non de l'instruction pour faire de la politique, pour proposer quelque chose à l'Assemblée, les manières de parler à l'Assemblée, hein, si Cléon, le paphlagonien, est moqué, c'est semble-t-il parce qu'il parlait d'une autre façon. Alors est-ce que, voilà, comment parler au peuple si on considère que des individus sont supérieurs au peuple? Est-ce qu'il faut parler comme le peuple? Ou est-ce qu'il faut parler de manière différente? Tout ça, ce sont des questions, vous voyez, qui sont extrêmement importantes, puisqu'elles renvoient aussi à ce qui déclenche chez nous l'envie de confiance. Jusqu'en décembre de l'année dernière, quand on voyait quelqu'un en cravate ou une femme en tailleur qui nous parlait politique avec des textes de loi, on avait trouvé ça sérieux. Et puis, pour certains et certaines d'entre nous, quand on a vu des jojo faire irruption sur les plateaux de télé en gilet jaune, on a parfois eu l'impression que leur discours cadrait mieux avec la réalité d'un certain nombre d'entre nous, alors même qu'ils ne parlaient pas le vocabulaire légitime de la politique. Et vous voyez qu'à Athènes, c'est une question directe, puisque comme tout le monde peut prendre la parole à l'Assemblée, c'est une question qui concerne tous les citoyens. Nous assistons en spectateurs. Mais eux, leur problème, c'est direct. C'est quand je lève la main et que je dis j'ai quelque chose à dire à l'Assemblée, comment je parle? Et comment on me prend au sérieux? Comment en face, les gens ne rigolent pas? Vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a voté, comme il y avait une petite minorité de ceux qui ont dit nous ne sommes pas en démocratie, on a rigolé. Certains d'entre vous ont rigolé. Ce qui fragilise, ce qui donc pose problème pour celui ou celle qui, a priori, voudrait dire quelque chose de minoritaire. Au début du débat, pas forcément à la fin. Et que comme eux, ils croient à la démocratie, ils pensent qu'il faut surtout écouter les minoritaires, parce que c'est peut-être eux qui ont raison et qu'il faut les prendre au sérieux. Donc cette pièce, vous voyez, montre tous ces problèmes et ces questions donc de remise en cause ou non de l'autorité. Et la pièce elle-même montre qu'ils n'en sont pas victimes, puisqu'ils sont capables d'aller voir à 10 000 cette mise en scène qui, tournant en ridicule un personnage célèbre, qu'ils ont ensuite réélu hein, comme stratège, donc ils ne l'ont pas du tout mis à l'index, mais ça les a fait réfléchir, donc non pas contre cet individu, mais au type de pouvoir qu'ils risquaient de conférer à cet individu. L'Assemblée des femmes, maintenant, quel type de réflexion? Alors ça, c'est une autre réflexion extrêmement passionnante. Alors, évidemment, le premier type de lecture, qui est le plus facile, c'est de dire c'est bon, c'est des Grecs, c'est le 5e siècle, enfin, début du 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est le machisme bien connu, ils mettent des femmes au pouvoir, ils rigolent, etc. Tout ça, c'est pas sérieux. Bon, c'est une première manière de faire. Si vous regardez la pièce, si vous la lisez, vous apercevez que c'est pas du tout ce qui est raconté. Bien sûr, vous avez des ressorts comiques. Elle se déguise mal, si vous regardez tout début de la pièce, elle se prépare à l'Assemblée, hein, et eh ben, elle se trompe. Mais on a tous vu des films dans lesquels les cambrioleurs loupent leur préparation et vont la réussir pendant une heure. Hein, c'est le principe même de la plupart des blockbusters. Donc ce que vous avez là, c'est ça. C'est bien sûr, ce qui est rigolo, c'est la préparation. Mais si vous continuez juste après, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas l'Assemblée. Mais vous avez le récit par un homme des mérites de Praxagoras, c'est-à-dire de celle qui a réussi à convaincre les hommes, certes peu nombreux, mais quand même là, elle a convaincu les hommes qu'il fallait donner le pouvoir aux femmes. Donc la pièce est d'abord le récit d'une réussite des femmes, puisque les femmes réussissent à obtenir le pouvoir. Alors bien sûr, il ne faut pas voir dans cette pièce l'idée qu'Aristophane serait un militant féministe et qu'il défendrait l'idée d'un pouvoir aux femmes, ni même d'un pouvoir partagé homme-femme. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut lire la pièce, ce n'est pas sa question, ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit, donc ce n'est pas la peine de chercher ça. Qu'est-ce qu'il fait? Et à quoi ça lui sert de montrer des femmes en assemblée prenant le pouvoir? Qu'est-ce qu'il veut faire? Mais mettez-vous à sa place. Vous voulez faire réfléchir les Athéniens. Voilà. Ils sont donc des hommes. Quel est le meilleur endroit, quel est le meilleur point d'observation qu'on peut s'offrir dans un régime de domination masculine de cette nature pour réfléchir sur les hommes et leur faillite? Eh bien, le point de vue féminin.
le meilleur point de vue pour critiquer la domination masculine ou pour en envisager les limites, c'est de prendre le point de vue féminin, pas le point de vue des femmes, le point de vue féminin. Je vous le rappelle, c'est extrêmement important, la domination masculine ne tient pas parce que les hommes se seraient réunis un jour en peau de bête en disant « comme les femmes font des enfants, il faut à tout prix que nous imposions notre pouvoir sur elles parce que sinon elles pourraient prendre le pouvoir ». Ça c'est Françoise Héritier. Non, on n'est pas obligé de penser ça parce que sinon ça fait quand même... Enfin, moi je ne me suis jamais réuni. Quand je suis né, j'ai trouvé une situation de domination masculine, mais je ne me suis jamais réuni avec des potes pour savoir si on devait maintenir la domination masculine ou non. Elle fait partie de nous. Elle est là, nous l'avons incorporée. Donc ce n'est pas un complot par quelques hommes, etc. C'est une situation sociale dans laquelle nous sommes toutes et tous pris. C'est ça le problème de la domination masculine. Donc sur quoi ça tient? Ça tient essentiellement sur un système de valeurs, c'est-à-dire sur un système symbolique. C'est-à-dire que la domination des hommes sur les femmes qui existe, elle est justifiée par un système de valeurs masculin-féminin qui porte au pinacle des valeurs qui sont du côté du masculin et qui rabaissent des valeurs qui sont féminines. C'est donc un problème symbolique, c'est donc la domination masculine est une domination du masculin sur le féminin et pas une domination des hommes sur les femmes. Le meilleur exemple, c'est bien sûr la grammaire française, hein, le masculin l'emporte sur le féminin. Vous savez tous et toutes, j'espère, que cette règle a été inventée au XVIIe siècle. J'ai oublié le nom d'après tout, oublions le nom de cet abbé qui a inventé ça. Hein, il a inventé cette règle. Comment il l'a justifiée? Il a dit, comme dans la nature, le masculin l'emporte sur le féminin, en grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Vous voyez, il est extrêmement cohérent, c'est-à-dire que c'est le même monde, hein, c'est une domination de valeurs, et c'est comme ça qu'on justifie un point de grammaire. Donc vous voyez à quel point, même dans la langue, ça passe partout, même dans la langue. Alors ça, c'est le premier élément. Donc, un point de vue critique, dans une société comme Athènes, c'est un point de vue féminin, au féminin, et pas un point de vue femme. D'accord? C'est pas ça qui met en scène. Alors, ce qui est intéressant, c'est la politique que mènent les femmes. Dans la pièce d'Aristophane. Quelle politique elles font? Eh bien, elles font une politique très simple, elles abolissent donc l'argent, elles abolissent la propriété privée, et elles font de la cité une sorte de famille. Tout le monde va pouvoir participer au banquet, tout le monde va manger à sa faim. Bon, il y a bien sûr la gaudriole, puisque tout le monde va pouvoir coucher avec tout le monde. Si vous lisez la pièce, vous verrez que cette partie de gaudriole, sans surprise, cette fois-ci, elle est au point de vue masculin. C'est du point de vue de l'homme que la question est posée, elle n'est pas posée de la même façon du point de vue des femmes, mais je vous laisse le découvrir dans le texte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre ça? Est-ce que c'est vraiment une politique alternative ou non? Alors la grande tentation des historiens et des historiennes contemporaines, c'est de voir une forme de machisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, en disant ben, finalement les femmes sont réduites au domestique et le seul projet politique qu'elles puissent envisager, c'est de transformer la cité, qui est donc la démocratie et la politique, en espace domestique. Donc en quelque chose d'infrapolitique. C'est une des lectures possibles de la pièce. Moi, je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faut le lire, mais il faut aller jusqu'au bout et comprendre que effectivement, ça peut être un projet politique que de lire le monde non plus au masculin, mais au féminin, c'est-à-dire de renverser le système de valeurs. Et qu'après tout, effectivement, interroger la part qu'occupe dans nos esprits la propriété privée. Maintenant, c'est la mode avec Thomas Piketty, puisqu'il a découvert que la propriété privée pouvait poser un problème. Je vous rappelle que c'est une vieille question qui est posée dès le 19e siècle, mais ça, on la redécouvre, hein, que la propriété privée ne va pas de soi, etc. Donc, mettre dans sa pièce que cette propriété pose problème parce qu'il y a des inégalités riches-pauvres et que ces inégalités riches-pauvres sont un problème pour la démocratie, c'est une manière d'interroger la notion d'égalité. Quand je dis que les citoyens sont égaux, est-ce que je dois m'en tenir à la politique stricto sensu, au fait que chacun a le droit de parler à l'Assemblée et de voter? Ou bien, est-ce que je vais jusque dans ce qu'on appelle le champ économique, donc la richesse, le patrimoine? Est-ce que les inégalités, je vais le dire autrement, est-ce que les inégalités de patrimoine ne sont pas la négation de l'égalité politique? Vous savez que c'est une question extrêmement importante, parce que si vous réfléchissez un peu aux inégalités scolaires, vous savez qu'elles sont construites très tôt, et que ces inégalités scolaires sont avant tout des inégalités sociales. C'est le produit des inégalités sociales et non l'inverse. Quels que soient vos mérites individuels, hein, je ne vous retire à aucune d'entre vous le moindre mérite par rapport à la situation qui est la vôtre aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas un problème individuel. Mais effectivement, si vous dormez dans une voiture quand vous êtes petit ou dehors, hein, plus de 130 000 enfants en France, dans le beau pays, dorment dans la rue en ce moment, hein, jusqu'à ce qu'on parle maintenant d'un problème humanitaire, crise humanitaire en France, bien. Donc voilà, cela. Et celles-là, on peut imaginer qu'ils n'ont pas exactement la même égalité des chances que déjà celui ou celle qui peut dormir, avoir une chambre, un petit bureau pour faire ses devoirs, etc. etc. Il n'y a pas besoin d'être extraordinairement engagé pour le dire, parce que c'est un constat et que tout le monde peut le reconnaître sans autre problème. Donc cette pièce, vous voyez, en disant, ben, est-ce que la propriété privée
n'est pas génératrice des inégalités. Est-ce que ce n'est pas cette idée que je puisse, que je peux m'approprier quelque chose qui, a priori, pourrait être à tout le monde? Est-ce que ce n'est pas cette idée que, quand je m'approprie quelque chose, je prive les autres de ce que je viens de prendre, de ce que je viens de revendiquer, qui fait que nous, par exemple, nous trouvons normal d'habiter dans des logements parfois grands quand on a les moyens, alors qu'au bas de chez nous, ou juste à côté, il y a quelqu'un qui peut être dans la rue et dormir dehors, mais au nom de la propriété privée, on dit c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas changer le monde, etc. Mais c'est le principe de la propriété privée qui justifie cette idée que personne ne peut venir toquer chez vous et dire « Je suis désolé, tu es propriétaire de la maison, mais ma vie humaine, elle est plus importante que ta maison, donc moi, je ne vais pas mourir de froid, je viens chez toi. » Ça pourrait être possible. Donc vous voyez qu'en posant cette question à travers une forme de farce, de mettre le monde au féminin, c'est-à-dire l'entraide, le souci des autres, eh bien, effectivement, on aboutit à, non pas à une autre société, mais à un autre projet politique pour la société. Et ce qui est décrit dans l'Assemblée des femmes, c'est à l'évidence une autre société possible. Non pas nécessairement pour qu'elle soit instaurée à la sortie de la pièce et qu'ils disent on va tout partager, ou etc. Toujours pareil, c'est pour faire réfléchir. Vous voyez ? Si j'essaye de résumer, je dirais que c'est un peu comme si tous les jours, dans nos médias préférés, nous étions confrontés, non pas à nos idées, à ce que nous pensons, mais à l'inverse de nos idées, à l'inverse de nos certitudes. Qu'à chaque fois, on nous confronterait à ce que nous ne pensons pas, à ce que nous ne voulons pas entendre. Non pas pour nous faire changer d'avis, comme si on était tous et toutes des crétins et des crétines, et qu'on attrapait l'islamisme radical en passant sur Facebook, ou l'extrême droite, en tombant malencontreusement sur le site du Rassemblement National. C'est pas comme ça que ça marche. Non mais rassurez-vous, c'est banal. À mon époque, on disait que c'était avec la télé. On regardait la télé, on était crétins. Donc dès qu'on regardait un truc à la télé, on devenait stupide. Pour vous, c'est les réseaux sociaux, donc il paraît que dès que vous tombez dessus, vous devenez crétin. C'est pareil. Hein, donc il n'y a pas de raison, donc c'est pas comme ça que ça marche. Donc nous devrions envisager, vous voyez, comme quoi ces questions, elles font écho à notre réalité contemporaine. Aujourd'hui, nous avons tous et toutes la tentation de nous confronter qu'à ce que nous pensons déjà. Et de ce point de vue, les réseaux sociaux ou Internet est extraordinairement pratique, puisque je peux choisir, tout est séquencé, programmé, il y a les radios pour les moins de 20 ans, les radios pour les 20 à 30. Moi, je commence à basculer progressivement dans la nostalgie, donc je vois ce que c'est. Hein. J'ai commencé Skyrock, vous voyez, donc progressivement, vous voyez, je commence... Des fois, je tombe sur nostalgie, je dis, merde, j'aime bien. Et donc, voilà. Donc c'est trop tard pour moi, hein, donc je bascule. Donc, vous voyez qu'on est petit à petit, tout notre monde, vous voyez, nous donne une place et pense à notre place. Elle nous dit, ben, allez là, lisez le journal machin, allez voir l'émission truc, j'adore tel youtubeur, etc. Tout notre monde est encadré. La force d'un système comme la démocratie athénienne par ses institutions, et j'en termine là, par ses institutions, la grande force, c'est que comme ils sont dans un univers collectif, ils prennent les institutions au sérieux. Et au lieu de nous renvoyer chacun et chacune à notre morale, à notre sérieux, on va dire, ben, je vais essayer d'aller voir un truc, vraiment, a priori, j'aime pas, mais je vais aller voir. Non, pour eux, c'est pas un problème individuel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin que la démocratie fonctionne bien. Quand tout le monde vote, vous ne pouvez plus vous permettre de ne pas vous préoccuper de l'éducation de celles et ceux qui votent avec vous. Comme je dis souvent, il y a un dimanche au moins où nous sommes nombreux à souhaiter que les citoyens et les citoyennes soient intelligents, c'est le dimanche électoral. À ce jour-là, on aimerait bien que tout le monde ait fait plein d'études, beaucoup réfléchi, etc., et qu'on a parfois la main qui tremble en se disant « qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Eh bien, vous voyez, c'est que ces textes, finalement, ils nous rappellent cette chose que nous finissons par oublier, qu'il n'y a rien de plus important dans la démocratie que l'éducation. Mais pas simplement que l'éducation pour les plus jeunes, comme on le croit souvent. Une forme d'éducation permanente qui fait que ce dont nous avons besoin, c'est de lieux collectifs qui, en permanence, nous confrontent à des gens qui ne pensent pas comme nous. Et rien n'est pire que la pulsion contemporaine qui vise à faire un tri préalable des opinions, quelles qu'elles soient. Je dis bien quelles qu'elles soient. Nous avons déjà des lois qui encadrent, il y a des opinions qui ne peuvent pas être dites, etc. Mais je dis bien quelles qu'elles soient parce que je vois dans mon monde à l'université où parfois on dit « Ah ben non, elle est contre la généralisation de la PMA, alors elle n'a pas le droit de parler, etc. » Mais c'est stupide. C'est pas parce que quelqu'un parle ou dit quelque chose que forcément ses idées se diffusent. Et de toute façon, le meilleur moyen de combattre les idées, c'est de les discuter. Et certainement pas de les évacuer parce qu'elles nous dérangent. Ben, je trouve que, vous voyez, ces pièces, ces comédies d'Aristophane, elles ont le mérite de nous rappeler ça. Et de nous rappeler que ça ne peut pas être simplement un problème collectif, individuel, pardon, qui ferait que chacun d'entre nous, on va prendre de bonnes résolutions en sortant, en disant, eh ben, je vais regarder tous les jours un peu le Figaro, la Croix, etc., et j'arrête de regarder que l'Humanité, et puis la feuille de chou du NPA, je vais faire des efforts. C'est pas ça. C'est pas un problème individuel. Nous devons affronter cette question de manière collective. Comment, collectivement, garantir la pluralité des idées pour nous, pas renvoyer au droit individuel d'exprimer son opinion.
nous devrions tous et toutes revendiquer le droit de pouvoir changer d'opinion. Parce que ça, c'est la garantie de la démocratie. Parce que si chacun et chacune, on reste enfermé dans ce que nous pensons déjà, eh bien c'est la guerre civile, parce qu'il n'y a plus de vote possible, puisqu'on connaît déjà le résultat à l'avance, et on n'a plus qu'à se taper dessus. Et ici, vous voyez comment, et c'est vraiment la fin, comment je pense que dans le monde qui s'annonce pour nous, qui est un monde où bientôt 3 millions de la jeunesse de ce pays sera en études supérieures, c'est considérable, hein, c'est un changement de monde. Vous n'en rendez pas compte parce que vous êtes à l'intérieur, mais c'est un changement de monde, c'est-à-dire que ça va changer la société de fait. Puisque tous les discours d'autorité qu'on gobait il y a 40 ans, on les gobe beaucoup moins parce qu'on a fait les études, on dit mais pourquoi il dit ça, je vais aller vérifier, je ne suis pas d'accord, etc. Donc vous avez une possibilité intellectuelle et technologique de vérifier ce qui vous est dit, qui n'existait pas auparavant. Donc ça va changer le monde. Et si on veut que ça change le monde, vous voyez, il faut qu'on prenne ça institutionnellement. Donc, non pas comme un droit individuel, mais un droit collectif. Et de garantir le plus possible tous les espaces publics comme étant des espaces de controverse. En se reconnaissant chacun et chacune ce que les Grecs appelaient la parésia, les Athéniens, P-A-2-R-H-E-S-I-A, la parésia, qui n'est pas simplement le droit de parler à l'Assemblée, mais le droit de revendiquer, quand je prends la parole, la prétention de dire vrai. C'est ça la parésia. Vous écoutez celui qui parle, parce que peut-être que c'est lui qui va donner la bonne solution, c'est peut-être lui qui va avoir raison. Et donc je dois l'écouter précieusement, ne pas l'interrompre, lui laisser développer son idée, parce que peut-être qu'à la fin du débat, c'est lui qui aura dit la vérité. Et la prochaine fois, ce sera peut-être moi, etc. Vous voyez ? Alors c'est la parésia, c'est du grec, vous dites, mais nous, est-ce qu'on a un mot pour faire ça ? Mais oui, oui, on en a un magnifique mot qui dit exactement la même chose. Et ce mot, vous le connaissez tous et toutes, peut-être pas avec ce sens, c'est le mot de laïcité. La laïcité, c'est le fait de se reconnaître à chacun et chacune d'entre nous une égale étincelle de raison. Voilà. Nous avons tous la même capacité de raisonner. Raison pour laquelle celui qui viendrait nous dire « tu as tort parce que moi j'ai raison et j'ai un universel à ta place », qu'il soit religieux ou autre, parce que ce n'est pas un problème que de religion, et bien celui-là, vous voyez, il rompt le pacte laïque qui est entre nous. La laïcité, c'est l'égale reconnaissance en raison. Nous sommes tous égaux en raison. Voilà. À partir de là, nous devons tous et toutes tenir compte du raisonnement des autres et tenir compte donc des argumentaires qui sont faits. Non pas de la personne qui parle, mais de l'argumentaire. J'ai déjà beaucoup trop parlé, merci beaucoup.